Il y a deux mondes. Le monde de la perception. De la perception. Et le monde des idées. Ces deux mondes sont côte à côte. Mais le monde de la perception est immense comparé au monde des idées qui est tout petit. Et le problème avec les mots, c'est qu'ils sont entre ces deux mondes, dans l'entre-deux. Les mots sont des intermédiaires entre ces mondes. J'écris les mots qui me traversent l'esprit sur un cahier. J'aime que ce soit poignant et qu'il y ait aussi de l'humour. Le mot, je vais le faire glisser sur la toile. Il va disparaître au profit de la peinture. Il devient image. Mais le problème avec le mot, c'est qu'il ne faut pas qu'il nous fige, qu'il nous enferme. Le mot écrit doit devenir abstrait. Et c'est cette abstraction qui est sur la toile. Je me rappelle que moi, enfant, Barbe Bleue, ça me faisait peur. Mais vraiment flipper. Car en arrière-fond, c'est vraiment trash. Cet homme avec cette grande barbe et cette femme avec sa curiosité malsaine. J'étais petite et ce que j'en comprenais, c'est qu'on allait me prendre et m'embarquer dans le monde des adultes. Un monde effrayant. Un monde que je comprenais pas et duquel j'essayais de me soustraire. Et Chantal Goya. Vous voyez Chantal Goya? Quand j'étais petite, que je la voyais, franchement, je trouvais ça assez ridicule. Je croyais qu'elle chantait des trucs très fleurs bleues. Et en grandissant, j'ai appris que les paroles, c'est un lapin qui tue un chasseur. J'ai trouvé ça drôle, ça m'a plu. C'est bien ce contraste. Et les contes aussi sont toujours pleins de contrastes, d'ambivalence. Et tous ces contrastes ont eu et ont une influence sur moi. Peut-être que parfois, tout cela me revient. Et c'est pour ça qu'on retrouve ça sur mes toiles. Quand on est un artiste, il faut rester un enfant à vie, ça, on le sait. Car un enfant, il est perpétuellement dans la découverte. Car il ne sait pas. Donc naturellement, il écarte les idées reçues. Un enfant, il s'amuse, il construit sans réfléchir, sans préparation. Il n'est pas régi par la peur, il fonce direct. Et même en prenant de l'âge, il faut continuer à avancer, se dépasser encore et encore, explorer, surmonter les embûches, nager, se frayer un chemin. Quand on est artiste, peintre, on ne doit pas rester sur ses habitudes. Il faut être curieux. Il faut garder en permanence une ouverture d'esprit. Moi, j'avoue, je n'ai pas de principe dans ma peinture. Je pense même qu'il n'y a pas à avoir de principe en peinture. Pour créer, il faut oublier les principes, s'en détacher. Le principe s'efface dans la création. S'il y a des gens qui souhaitent devenir artistes, il y en a d'autres pour qui ça leur tombe dessus. Comme un réveil. On avance et ça vous prend par surprise. Et ça, c'est plus ce qui m'est arrivé. Avant, je ne pensais pas à devenir artiste, pas du tout. Et puis un jour, c'est arrivé. J'ai dû rester pendant plus d'une année alitée, tout le temps allongée. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas marcher, j'étais mal, j'étais malade. J'allais régulièrement à l'hôpital. Et de vivre comme ça, petit à petit, dans ma tête, des images ont surgi. C'était mon monde intérieur qui jaillissait. C'est là que j'ai commencé à écrire, à dessiner, à peindre. Parce qu'avant ça, je dessinais déjà, j'étais graphiste, je faisais de la photo aussi. Mais c'était pas de la peinture, c'était pas de l'art. C'est à ce moment-là que s'est opéré un tournant.
J'ai senti que je prenais ce virage et au bout, il y avait comme une lumière. Alors j'y suis allée. Au départ, mon but, c'était pas de faire des expos, de vendre des tableaux. J'avais juste besoin de sortir de moi, de me battre contre quelque chose de personnel. Être artiste, ça veut dire exister en tant qu'artiste. Et exister, c'est peindre. Peindre. Et là, franchement, on se sent heureux. Parce qu'on s'est lâché. Et après, c'est un moment de joie. On se sent vraiment exister.